Merci. Ma question se trouve dans le livre d'Exode, Exode 30, à partir du verset 31. Je lis, il dit, tu diras aux Israélites, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte au fils des générations. On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui, et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la considérez comme sainte. Amen. Voilà. C'est concernant l'huile d'onction. Présentement, habitant des serviteurs, et les serviteurs de Dieu, qui font une huile qu'ils appellent huile d'onction, qui vient d'Israël. Ce sont des voleurs. Voilà. Mais quand tu lis ce passage, à la suite, il dit, ce sera pour moi, quelque chose que vous allez utiliser pendant des générations. Voilà. Et aujourd'hui, ils vendent les mérites de cette huile-là. Et ça se vend un peu partout. Ah bon? Oui, ça se vend. Et tout dernièrement, j'ai été à un programme. J'ai pas pu être à la veillée. Je suis responsable dans une église, je suis un pasteur. J'ai pas pu être. Je suis responsable. Oui. Et les autres ne sont pas, ils sont déresponsabilisés. Bon, je ne sais pas. Bon, pour le moment, c'est ma question que je veux. Justement. En fait, moi, je vous suis depuis 2014. Là, c'est juste pour nous encourager, c'est pas pour votre. Voilà, je vous suis depuis 2014. C'est le frère juste à côté qui m'a fait découvrir de mes vies. Et j'ai compris le message. Et j'évangélise, c'est ce que je peux faire, j'évangélise dans la vie. Mais Dieu a pu faire que j'ai, avec moi, plusieurs chrétiens, plusieurs frères, de plusieurs autres communautés, on évangélise dans la vie, c'est ce qu'on peut faire présentement. C'est bien. Voilà. C'est là qu'on a le micro pour parler, parce qu'on ne peut pas me se mettre devant l'Assemblée pour dénoncer certaines choses. Pourquoi? Bon, je n'ai même pas la permission de prendre le micro pour me mettre devant l'Assemblée. Mais tu n'as pas besoin de micro pour parler. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me mets dans la rue pour crier. Voilà. Thank you.
comprendre que le bonhomme, quel grand sort de cette nation, tu as un peuple ici. Tu nous as dit de parler car tu as un peuple. Tu nous as dit de parler car tu veux sauver, car tu veux racheter, car tu veux encourager, car tu veux agir. Seigneur notre Dieu. Oh Père. Yeah.
Jésus, 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 Jésus.
Il y a un chant facile que tout le monde va prendre. Oh, Sagayo, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Amen. Oh, Sagayo, oh, Sagayo, Sagayo, Koleka. Oh, Sagayo, j'ai besoin de toi. Oh, Sagayo, oh, Sagayo, je veux manquer de tout, mais pas toi.
Vous êtes content d'être dans sa présence? Waouh! En fait, j'ai dû arrêter avec le frère parce que parce qu'il y avait une vague qui venait. Plein d'anges dans cette vague, pour adorer par des chants. Il fallait être sensible, il fallait être top et couler, se laisser entraîner par le vague.